Bonjour bien-aimé peuple de Dieu et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Rachel. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur vous aujourd'hui et toujours. Et que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vous bénissent, vous protègent et vous délivrent de tout mal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous engager dans une prière miraculeuse tirée de la Bible, la parole de Dieu, spécifiquement le psaume 91. Ce magnifique psaume 91 est mieux connu pour la délivrance et la protection. Il brise les liens spirituels et contrecarre les attaques contre votre vie. Que ce soit des tribulations spirituelles, les problèmes du mauvais œil dans votre vie sentimentale, ou même des problèmes d'infertilité à tous égards, s'accrocher au puissant psaume 91 entraînera l'action et la délivrance de Dieu dans votre vie. Ces versets permettent aux croyants de trouver une base solide pour faire face aux défis, pour expérimenter le réconfort dans les moments difficiles et renforcer le cheminement spirituel. Le psaume 91 est donc une source inestimable de protection, d'espoir et de bénédiction abondante pour ceux qui l'embrassent dans leur cœur. Pendant que vous écoutez le psaume 91, je vous invite à partager dans les commentaires votre prénom et les noms de tous les proches que vous souhaitez inclure dans cette prière puissante. Rappelez-vous que dans le plan de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Donc, assurez-vous que vous n'êtes pas là par hasard. Notre Dieu orchestre les événements ou les permet de se dérouler dans un but parfait. Si cette prière vous est parvenue, c'est parce que Dieu a l'intention de vous délivrer de toutes les flèches du malheur et il veut vous élever. Avant de commencer la prière, il est important de noter que le psaume 91 apporte protection et délivrance, en particulier à ceux qui font face à des défis dans leur vie personnelle et sentimentale. Maintenant, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous et faites partie de notre belle famille de prière. À présent, prenez un moment pour vous calmer. Trouvez un endroit calme et préparez votre cœur alors que nous nous engageons dans une prière du psaume 91. Un conseil supplémentaire que je vous recommande est de l'écouter pendant au moins les 6 prochains jours. Choisissez un moment précis de la journée et consacrez-le à l'écouter. En faisant cela pendant ces 6 jours supplémentaires, vous amplifierez votre victoire. Le chiffre 7 selon la Bible est associé à Dieu et à la victoire. Écouter cette prière pendant 6 jours supplémentaires fera que vous l'aurez écoutée 7 fois. Et soyez certain que de grandes délivrances se manifesteront dans votre vie de la part de notre Seigneur Dieu. Et vous prendrez possession de toutes ces bénédictions au nom de Jésus. Amen. Maintenant, récitons ensemble le psaume 91 et ensuite nous prierons pour vous. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants.
car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je me délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Ô mon précieux Père Céleste, alors que je m'incline devant ta présence aujourd'hui, mon cœur est attiré par les paroles puissantes du psaume 91. Tu es mon refuge, ma forteresse et mon Dieu en qui j'ai confiance. Dans le chaos de ce monde, je trouve la paix en sachant que je peux demeurer à l'abri du repos le plus élevé, sous l'ombre de tes ailes. Au milieu de nos batailles quotidiennes, mon Seigneur, je revendique la promesse que tu me délivreras du piège et de la peste mortelle. Seigneur, il y a des défis qui cherchent à m'emmêler, mais j'ai confiance en ta délivrance. Ta parole est un bouclier et un rempart, me protégeant des forces spirituelles invisibles qui visent à me nuire. Ô mon Dieu, lève-toi maintenant et délivre ma vie de toute situation de souffrance et de pleurs qui me lient, afin que je puisse vivre dans la délivrance que tu m'as promis au nom de Jésus. Ô mon Dieu, je demande que tu me protèges des attaques de l'ennemi. Même si 1000 personnes tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, que ma famille et moi ne soyons jamais atteints au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je déclare, aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ma tente. Que les anges soient mon gardien jour et nuit, qu'ils me protègent et qu'ils protègent toute ma maison. Je prends autorité maintenant sur toutes les puissances de l'ennemi qui m'attaque, et je marche sur vous, comme le déclare le psaume 91, que je marcherai sur le lion et sur l'aspic. Je foulerai le lionceau et le dragon, et ils ne pourront me faire aucun mal. Seigneur, délivre-moi de toute attaque de l'ennemi. Délivre-moi et glorifie-moi. Dans le nom de Jésus. Amen.